Oh la quoi de fil ! Oh la quoi de fil ! Bon les amis, bonjour à tous. Et on va profiter d'un chat, hein, tout simplement. Bon allez, c'est parti les amis, on va tester la C58, la nouvelle AR de Call of Duty Black Ops Cold War et de Warzone. Petite inspection d'armes. Elle fait vraiment penser à une STG, entre une STG et une FAL. Et le bruit? Ouais, ça on dirait, hein, on dirait. Par contre la mire, ouais. Bah écoute, on va là, hein. Let's go, 20 balles, ouais. On va voir si elle est bien puissante ou pas. Petit headshot. Merde, il m'a bloqué, j'ai pas pu. Ouais, là il va falloir mettre un petit chargeur amélioré dessus. Hein. Ouf. Elle pourrait bien taper. Je pense que ça va tourner le spawn. Je pense que ça va tourner. Non, ça va pas tourner. Un peu quand même. Ah, ça a tourné moyennement. C'est le G3 des Allemands? Je me souviens le G3 qu'il y avait dans... Comment ça s'appelle? Dans... Code 4, c'était du coup par coup. Le bruit est bon en tout cas. Bon, de toute façon, il faudra débloquer 2-3 accessoires comme d'hab. Alors attends. Ça, on va essayer d'équiper des petits accessoires par-ci par-là. Elle tape quand même. Il est en haut, il est en bas en plus le point stratégique. J'aime bien, j'aime beaucoup Ouais, la G3 de Code 4 c'était du coup par coup, ouais. Quelqu'un a le nom exact de l'arme que c'est réellement dans la vie? Cette arme là? Ça se trouve ça s'appelle C58, hein. C'est G3? C'est la G3 tu penses? Ouais, peut-être, ouais. Merde. HKG3, ouais. Ouais, ça me fait penser à une STG 44, quoi. La paralysante, tu te demandes à quoi elle sert. C'est pas la paralysante de Warzone, je le dis, moi. Stratégique perdue.
de petit canon à main, mon petit pote. Pas mal. Vous avez un petit clip ou pas? La G3 est fabriquée sur la base de la STG-44 et la MP5 sur la base de la G3 en 9 mm. One. Un petit viseur peut-être. Il ressemble à l'HK G3. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu. Ouais, on verra, on verra. Eh merde. Ah merci pour le clip Jason. Ah ils sont en bas. Merde. Ah shit. Homme de goût 2 à la 7 mieux modèle C. Ok. Oh la quad-feed! Oh la quad-feed! Oh la petite quad-feed! Wouhou! Ah damn! Première game avec la C58 quad-feed, allez hop! Oh foiré! La cadence fait penser à la barre dans World at War. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Le point stratégique.
Moi, c'est les armes que j'aime bien, ça. Tu vois, pas forcément beaucoup de cadence, mais bonne puissance et vitesse de balle. Et bah écoute, c'était bien sympa cette petite première game. Regarde, la petite quad feed là au killcam. Ah, c'était mignon, hein. Ah, c'était mignon. Thank you very much. Ah mais du coup le clip de la quad fille, c'est juste la quad fille, il y avait tout l'enchaînement qui était intéressant.